Bon, on demande ici de calculer donc somme de k égale 0 jusqu'à n de ck n cos k, cosinus k plus 1 expo, enfin k plus 1 x. Alors comment peut-on entendre ceci? Petit instant. Alors, le x peut s'entendre comme un arc, hein, θ. Alors, vous voyez bien qu'ici, c'est ça qu'on a. Parce que bon, c'est vrai que ça peut être troublant de voir ceci, mais voilà, c'est k plus 1, l'arc c'est x. Alors, qu'est-ce qui est variable? Bien sûr, c'est le θ. Le k. Le k, je m'excuse. Le k est variable. Donc, on a k variable par pas de 1. Pas de 1. Donc je rappelle que ça c'est C0N. Alors ici il me faut deux termes. Je vais mettre 1 exposant 0 cosinus, et je parle en θ, k plus 1 1θ. Plus C1N 1 exposant 1. Ici, je vais plutôt mettre n moins 1. Je considérais que celui-ci c'est n moins 0 n moins 1 cos de θ. Alors, vous voyez que c'est k plus 1. Celui-ci c'est k plus 1. Alors, le x égale θ ici. Hein, j'ai repris θ, voilà, pour mieux appréhender, j'ai de l'arc. Plutôt que x plus c de n 1 n moins 2 cos 3 θ et ainsi de suite hein, plus trois petits points voilà jusque n et le dernier ce sera c n n 1 exposant 0 cos n n plus 1 θ. N plus 1 θ. Bon, le dernier, ce sera CNN 1, 0, cos N plus 1 θ. Bon. Alors, à ça, je vais lui adjoindre du sinus. Alors, J sinus, je vais adjoindre la même chose. Mais en sinus. C'est-à-dire que je vais prendre J. Bon, ici c'est tout du J. Hein. D'ailleurs, je vais le mettre à l'avant. Donc tout ça va être multiplié par J. Et là, bon, je mettrai un sinus θ. Sinus bon, et alors ça va donner 6. Si j'additionne les deux, on aura
C'est cosinus et sinus. Hein. J'additionne les deux. Par ici, comme j'ai mis J, c'est J. J'ai mis J. Donc le complexe ici, c'est J. C'est JS. C'est JS. C'est JS. Et ça, c'est 0,1, 1 n, n. C J S alors il me faudrait un 0 ici, il me faudrait un 0 pour l'instant c'est pas grave si je mets C J S exposant 1 plus C 1 N N moins 1 6 θ exposant 2 plus 6 2 n 1 n moins 2 6 θ exposant 3 plus 3 petits points plus c n n 1 exposant 0 6 n plus 1 θ. Alors vous aurez compris qu'il y a un degré en plus là on a degré 1, je devrais avoir un 0. Là, j'ai un degré 2, je devrais avoir un 1. Ça devrait suivre ceci. Là, je dois avoir un 2. J'ai un 3. Bon. Et ce que je vais faire, je vais tout diviser par 6 θ. Donc, si je divise par 6 θ, là, je vais retomber 1 moins 1. J'aurai bien 0. Deux moins un, 1. Trois moins deux, trois moins un, 2. N plus 1 moins 1 c'est n. Ouais, attention qu'ici je ne l'ai pas fait, c'est θ exposant n. C'était n plus 1. J'avais n plus 1. J'enlève 1. C'est n. Voilà. Alors, ne pas oublier bien sûr par celui que j'ai divisé par 6. Theta, exposant 1. Donc, et ceci, vous reconnaissez le binôme de Newton. Donc, on a 1, 1, plus, et là, vous reconnaissez 6 theta. 6 theta exposant n. Attention à multiplier par 6 theta. Voilà, et on va vérifier ceci tout de suite. Alors, je vais prendre n égale 4. Alors,
On va prendre 6. Donc on va faire sébine de... Ouais, attention que je vais reprendre la partie réelle. Hein. Attention à ça. C'est vrai qu'ici, c'était... Je vais reprendre la partie réelle de ceci. Hein. Voilà, c'est égal à la partie réelle de ceci. Donc, faut pas oublier à la fin de reprendre la partie réelle. Hein. C'est la partie réelle qui m'intéresse. Alors, bien sûr, je prends d'un angle. Ici, K vaut 0. K vaut 0. K vaut... Je dis K vaut 0. Ouais, K vaut 1. Pour 0, j'aurai 1. Pour 1, j'aurai 2. Pour... 2, j'aurai 3. Pour 4, pour 3, on aura 4. Pour 5. Enfin, pour 4, on aura 5. Pour 5, on aura 6. Et pour 6, on aura 7. Alors, je vais faire l'addition. A, B, C, D, E, F, G. A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. Voilà, ça c'est la partie réelle. Enfin, c'est un nombre réel, je m'excuse. Et maintenant, je vais mettre la formule. 1 plus cos alpha plus i sinus alpha fois cos alpha cos alpha plus i sinus alpha. Ouais, j'ai oublié de l'exposer en n. Une petite erreur. Bon, 0, 6, 1, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. A, B, C, D, E, F, G.
A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. Oui, attention qu'ici je me suis trompé. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur ici. N. Ouais, c'est la multiplication. C'est une multiplication, pas une addition. Un alpha. Deux alpha. 4 alpha, 6 alpha, 5 alpha, 2 alpha, 3. Il me reste 2. 2. 4, 5, 6, je l'ai. 2, 4, 5, 6, 7. Par contre, il m'a effacé des trucs. M'a effacé des trucs. Il manque le 2. C'est pas grave, je vais refaire le 2. Donc j'ai le 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il manque le 1. Là, j'ai 2. Ici, c'est 1. Le 7. Donc, j'ai BDFE. Donc, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. Et voilà, moins 39,8 qui est la partie réelle de Z1, qui est X de Z indice 1. Bon, je vais changer l'angle. Partie réelle vaut 0.
Bon, j'ai pris n égale 6, j'aurais pu prendre un autre, mais si je fais un autre, il faudra que je réélimine certains. Alors, je vais faire pour. On va regarder pour n égale 5. Donc là, la somme n vaut 5, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Le dernier, le 6, je ne peux pas le prendre. Donc je ne peux pas prendre le g. De toute façon, il a mis 0 pour le g. Donc il n'y a pas besoin de changer parce qu'il a mis 0. Pour le 5, 6, il a mis 0. Donc voilà. Donc j'ai 9, moins 9,84. La somme fait moins 9,84. Donc c'est bon. Bon, je vais le faire pour n égale 4. Pour n égale 3, pour n égale 2. Et pour n égale 1. Je vous remercie.